présentation, petite surprise, visite de la cabine en virtuel. Et puis, bien entendu, répondre à vos questions en fin de webinaire et tout ça avant 18h. Hein. On pourra libérer tout le monde à 18h, dernier délai. Allez, encore quelques secondes et puis nous allons y aller. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire au sujet de la télémédecine en entreprise. Je suis Raphaël Barnier, en charge de la relation auprès des grands comptes chez HKD. Je remercie, avant de démarrer, bien entendu, l'ARSEC de nous donner l'opportunité d'organiser ce webinaire, notamment Clémentine et Glantine. Je remercie également Elsa d'HKD qui a organisé ce webinaire en amont. Ça a été beaucoup de travail. Et puis, bien sûr, nos deux intervenants, Francine Sarfati de Siaci, que je présenterai plus en détail un peu plus tard, et Claire Delcroix de Ocean Matmut. Donc, bonjour à tous. Donc, le sujet du jour, hein, vous le voyez devant vous sur l'écran, c'est comment la télémédecine accompagne les entreprises dans la protection de la santé de leurs salariés. Alors, c'est un vrai sujet, c'est pas récent. Nous, chez HKD, nous déployons nos dispositifs depuis de nombreuses années au sein des entreprises pour répondre à des enjeux tout simplement sanitaires. Et cette question est de plus en plus à une plus forte acuité dans ce contexte sanitaire très, très, très particulier. Alors, nous allons organiser ce webinaire assez simplement. Nous allons tout d'abord vous resituer un petit peu les enjeux sanitaires en entreprise aujourd'hui, vous faire une présentation de notre dispositif médical et des services qui l'entourent, et puis surtout laisser du temps à nos deux intervenantes, Francine et Claire, pour parler de la genèse des deux projets au sein de leur entreprise respective, et puis bien entendu de nous faire part de leur retour d'expérience, de statistiques qui entourent donc la mise en place de ces projets. Et puis nous allons continuer par une visite virtuelle de la cabine, relativement rapide, hein, mais pour que vous puissiez vraiment bien appréhender, le dispositif. Et puis nous terminerons, nous allons laisser un maximum de temps en fin de présentation pour vous laisser poser vos questions, et auxquelles nous y répondrons avec grand plaisir. Allons-y. Excusez-moi, on y va. C'est parti. Donc voilà, alors quels sont les enjeux des employeurs dans le contexte sanitaire actuel? Alors bien entendu, au niveau sanitaire, hein, les entreprises et les employeurs de plus en plus se posent la question de savoir comment assurer une présence médicale pendant les heures de travail. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les citoyens en général et pour les salariés en particulier d'avoir accès à un médecin généraliste. Ils doivent prendre sur leur temps de travail, ce qui va créer de l'absentéisme. Ils vont le plus souvent renoncer à se soigner, ce qui va créer du présentéisme. Ces deux aspects, hein, ces deux notions, absentéisme et présentéisme, coûtent des milliers d'euros chaque année aux entreprises. Et donc, l'opportunité de déployer un service d'accès médical simple, rapide, au sein même des entreprises, a été plébiscité ces dernières années de plus en plus par des entreprises, par des grands groupes et des groupes de plus petite taille. Aujourd'hui, dans ce contexte très particulier, on le voit de plus en plus, l'idée également des employeurs, c'est de permettre à leurs salariés d'avoir accès à un médecin généraliste pour éviter à leurs salariés d'aller dans les salles d'attente des médecins en cabinet de ville et risquer donc d'attraper la COVID dans des salles d'attente qui ne sont pas tout le temps désinfectées à fond, etc., etc. Donc, on répond également aujourd'hui dans ce contexte bien particulier à ce point bien précis. Les enjeux également au niveau organisationnel, hein, on l'a vu depuis 8 mois, comment les entreprises peuvent réagir très rapidement en cas de crise sanitaire et puis demain en cas de nouvelle crise sanitaire. On parle de deuxième vague. Mais est-ce qu'il n'y aura pas d'autres Covid dans les années à venir? C'est très compliqué. Eh bien, ce type de dispositif tel que la cabine HKD va permettre, eh bien, au-delà d'avoir accès à un médecin, pour rassurer, pour orienter, de faire également, dans une configuration bien particulière, un tri des salariés qui pourraient potentiellement avoir des symptômes et donc potentiellement les réorienter en dehors de l'entreprise et pour les mettre en quarantaine. Au niveau psychologique, bien sûr, on voit… Aujourd'hui, on voit de plus en plus des salariés qui sont anxieux, qui ont du mal à revenir sur site,
Eh bien, le fait de proposer un colloque singulier entre un médecin, un professionnel de santé et un salarié va permettre en fait, d'assurer un certain suivi, de rassurer, d'accompagner les salariés de manière complètement individuelle, en toute confidentialité, dans ce contexte très particulier. Et enfin, la responsabilité, eh bien, en tant qu'employeur, comment continuer à remplir mon obligation de résultat renforcé en matière de sécurité et de santé dans cette période très, très, très particulière, encore une fois. Donc, voici un petit peu les quatre enjeux principaux que nous, dont les employeurs font face aujourd'hui au niveau sanitaire dans leur entreprise. Alors, voilà ce que nous proposons de déployer au sein même de l'entreprise, ce qu'on appelle la consultation. C'est un cabinet médical connecté qui permet à un salarié en toute confidentialité, à un salarié patient, d'avoir accès à un médecin de manière rapide et très simple. Rapide, puisqu'on peut prendre rendez-vous tout au long de la journée, il y a des créneaux qui sont ouverts tout au long de la journée, et de manière très simple, eh bien, on prend l'ascenseur et on se rend là où est installée la cabine dans l'entreprise. Ça peut être une entreprise unique, le siège d'un grand groupe, comme ici nous avons le cas Matmut ou Siassi, mais ça peut être également dans un ensemble immobilier partagé entre différentes entreprises PME de plus petite taille. Bonjour Monsieur Devers qui nous rejoint. Donc, comment s'organise ? C'est très simple, c'est une cabine. En deux mots, d'abord deux mots pardon, sur HKD. HKD, c'est une entreprise spécialisée dans la télémédecine qui a été créée il y a plus de 12 ans par un médecin, le docteur Franck Bodino, qui est toujours président de l'entreprise. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de rapprocher le médecin de son patient. C'était ça vraiment la base, la genèse du projet. Aujourd'hui, nous avons déployé des cabines au sein de plus de 60 entreprises en France. Et puis, bien entendu, nous avons aujourd'hui d'autres segments de marché qui sont extrêmement dynamiques. Ce sont les collectivités territoriales. Nous installons des cabines, pas seulement dans les grandes tours de la Défense ou dans des sièges très importants en province, mais également au sein de petites collectivités territoriales, au fin fond de la Creuse, au fin fond de la Normandie, au fin fond de l'Île-de-France, du 77. Alors, c'est un dispositif médical de classe 2A, c'est-à-dire que les données sont fiables, sont objectives et le médecin peut baser son diagnostic sur des données médicales. 15 capteurs et instruments composent, en fait, sont positionnés autour des parois de l'entreprise, c'est-à-dire que le médecin va guider son patient dans le maniement du thermomètre pour prendre sa température, du saturomètre pour connaître sa fréquence cardiaque et son taux d'oxygénation du sang, mais le médecin va également pouvoir, en haute définition, écouter le cœur grâce à un stéthoscope, regarder les tympans, regarder la gorge grâce à un otoscope, etc., etc. Il y a un électrocardiogramme, en tout 15 instruments et capteurs. C'est très important, ça permet tout simplement, c'est pas anodin, au médecin téléconsultant de faire un examen clinique. Et c'est l'examen clinique qui est en amont du diagnostic qui est posé par le médecin. Et ça, c'est primordial pour faire de la télémédecine clinique. D'accord ? On va vraiment au-delà du conseil médical, on fait une consultation complète. Voilà. Alors, je vais laisser bien entendu maintenant la parole à nos deux intervenantes que je remercie encore une fois et que je présente très rapidement. Claire Delcroix pour la Matmut, pour Océane Matmut qui est chef de projet Innovation Mutuelle, qui a porté le projet depuis le tout début avec moi-même directement pour le déploiement aujourd'hui d'une première cabine depuis plus d'un an maintenant à la Matmut à Rouen et d'une deuxième cabine excusez-moi chez Océane à Bordeaux. Et puis, Francine Sarfati de Siassi Saint-Honoré, qui est directrice de l'environnement de travail et qui est, alors, le projet est encore plus ancien, que nous avons accompagné pour déployer deux cabines sur les deux gros sites de Siassi Saint-Honoré en Ile-de-France. Mesdames, je commence par vous, Claire, je vous laisse la parole. Je reviens ici pour parler un petit peu de la genèse du projet. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour l'invitation, déjà. C'est toujours flatteur de pouvoir parler d'un projet quand il s'est bien passé. Alors, du coup, moi, je suis effectivement chef de projet innovation chez Océane Matmut, qui est le pôle santé, en fait, de la Matmut. Et le projet, en fait, il est né, nous, vraiment d'un accord, de l'accord QVT qui a été signé en mai 2019. Donc, c'est vraiment une volonté commune entre notre direction générale et les organisations
organisation syndicale où on s'est entendu pour justement mettre en place ce projet. Alors, on avait différentes motivations, bien sûr. Déjà, c'était accentuer la démarche d'accompagnement et d'écoute des salariés. C'était aussi pour nous de mettre en place une politique active de santé au travail, qui est vraiment un point essentiel de cet accord. Et également, la démarche innovation, qui fait pour nous partie d'un axe stratégique. Donc, vraiment, la cabine H4D nous permettait de coupler ces trois sujets-là. Et de proposer à nos salariés un accès aux soins qui était facilité. Donc, c'est pour ça que voilà, on a réussi à se réunir et que H4D a répondu parfaitement à ce cahier des charges-là. Donc, on a mis effectivement en place une première cabine à Rouen donc depuis juin 2019. Sur le site de Rouen, pour information, on a à peu près 3000 collaborateurs aujourd'hui qui sont sur ce site-là. Et la réussite du projet sur Rouen nous a amené à partir de juin 2020 à mettre en place une cabine également sur notre site de Bordeaux, où là, on est sur un site qui est un petit peu plus confidentiel. On est 400 collaborateurs à peu près sur le site. Mais voilà, ça rejoint vraiment ce que Raphaël a pu dire, c'est qu'au fur et à mesure, même si on n'est que 400 collaborateurs, il y a cette dimension consultation, mais aussi il y a cette dimension de rassurer nos salariés. Et ça a vraiment été un point positif, nous, pour le retour des salariés sur site, de pouvoir se reposer aussi sur la cabine de Bordeaux pour annoncer à nos salariés que s'il y avait des doutes, s'il y avait de l'anxiété, ils pouvaient être pris en charge, effectivement, au sein de la cabine et pouvoir se rassurer ou pouvoir avoir une consultation, alors même que ce n'est pas forcément des symptômes du Covid, mais au moins de pouvoir avoir cet accès aux soins qui était facilité. Très bien, Claire. Où est-ce que se situe cette cabine exactement sur le site de Rouen ? Alors, sur le site de Rouen, on l'a installé au niveau de l'infirmerie. En fait, de Rouen, sur Rouen, on est quand même sur un site qui est assez conséquent. Donc, c'est vrai que l'infirmerie, ça nous a paru être la meilleure option. C'est là où les salariés ont ce réflexe d'aller en cas de problème de santé. Donc, en fait, on a aménagé une pièce spécifiquement pour la cabine. Et donc, en fait, on a une gestion partagée avec le médecin du travail et les infirmières qui sont sur le site pour pouvoir justement gérer la prise en charge des salariés qui en auraient besoin. Très bien. Et quel rôle également ont ces infirmières dans leur tâche quotidienne d'opérer cette cabine ? Alors, en fait, vis-à-vis de la cabine, les infirmières, elles ont donc la prise de rendez-vous se fait en ligne sur la plateforme que H4D nous transmet. Donc, il y a vraiment une autonomie de la part des salariés quand ils souhaitent prendre rendez-vous. C'est vrai que nous, que ce soit côté Bordeaux ou côté Rouen, en tant que responsable de projet, moi, j'ai pas à savoir qui va dans la cabine. Il y a vraiment ce côté anonyme. On est vraiment sur une consultation. Voilà, confidentiel des données. Et en fait, donc la prise de rendez-vous se fait en ligne. Et ensuite, nos salariés, quand ils arrivent à l'infirmerie, donc ils font leur consultation. Et ensuite, s'ils ont des questions, les infirmières sont à leur disposition pour les aiguiller ou dans l'utilisation de la cabine, bien que vu la simplicité du process, c'est vraiment très rare qu'elles aient à intervenir. C'est plus pour lever peut-être un frein et encourager les gens à vraiment rentrer dans la cabine et se laisser porter ensuite par la consultation avec le médecin. Et sinon, les infirmières, ensuite, nous, c'est elles qui prennent en charge le protocole sanitaire pour désinfecter la cabine, en fait, et qu'elle soit, bien sûr, remise au propre pour le salarié suivant. Voilà, tout à fait. Merci Claire pour ces détails. Effectivement, le protocole d'hygiène et de désinfection après chaque passage est primordial et nous avons d'ailleurs renforcé ce protocole dans le contexte particulier que nous connaissons avec toute une nouvelle gamme de produits désinfectants, etc. pour que le service soit sûr à 100%. Merci beaucoup Claire. On va revenir bien entendu juste après sur les retours d'expérience et quelques statistiques concernant cette cabine à Rouen. Je vais laisser maintenant la parole à Francine Sarfati, mais un petit peu la même chose, Francine, quelle a été la genèse de ce projet, de ces projets pour CIACI Saint-Honoré ? Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour Raphaël et merci H4D de m'avoir convié à ce webinar. C'est vrai que c'est mon premier en tant qu'intervenant, donc c'est un peu particulier, mais on va essayer de faire ça comme un peu comme nos webconférences qu'on fait quasi quotidiennement depuis bientôt 6 mois.
La genèse du projet, en fait, c'était une démarche au départ mi-2017 de notre président en personne qui avait rencontré HKD et qui souhaitait offrir ce service à nos collaborateurs. Alors, au début, c'était notre nouveau siège du 17e où nous sommes 1200 pour assurer, comment dire, un confort de vie aux Parisiens qui n'ont pas toujours le temps d'aller chez le médecin, qui perdent beaucoup de temps pour y aller, et leur offrir cette qualité de vie en disant ben, j'ai un doute, j'ai besoin d'être rassuré très rapidement, je prends rendez-vous en ligne, je descends à l'infirmerie puisque la cabine médicale est, comme vous Claire, installée juste à côté de l'infirmerie, et je suis rassurée, je sors avec mon ordonnance, je peux aller acheter mes médicaments à la pharmacie d'à côté et je suis prise en main rapidement. Et à la suite du succès, je dirais, d'installation sur notre siège, on a dit qu'il n'y a pas de raison que la population qui est située à Clichy, qui est notre plateforme de gestion, ne soit pas considérée de la même façon. Et on a pris le parti d'installer une deuxième cabine, alors qu'ils ne sont pourtant que 500 sur ce site. Très bien. Sur ce deuxième site, Francine, où se situe la cabine et qui opère le service? Également à côté de l'infirmerie, et ce sont nos deux infirmières sur le siège et donc sur le site de Clichy qui opèrent, qui gèrent la plateforme de rendez-vous déjà en parallèle puisque tout est fait sous le sceau du secret médical. Hein, moi, je ne vois aucune prise de rendez-vous, aucune statistique ni quoi que ce soit. Enfin, c'est les statistiques de fréquentation, bien entendu, mais je ne vois rien des rendez-vous. Je ne sais pas qui y va, je ne sais pas qui la fréquente. Et elle gère tout le protocole de désinfection, bien entendu. Alors, la grande nouveauté depuis le début de l'année, bon, qui a été interrompue avec cet épisode de pandémie, c'est que les infirmières maintenant se servent chacune sur leur site de la cabine comme outil pour la visite médicale annuelle. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on envoie nos collaborateurs chez un médecin, elles ont été missionnées par le médecin du travail pour effectuer ces visites avec l'aide de la cabine de télémédecine. Donc, c'est encore un outil supplémentaire. Absolument. Merci de cette précision, Francine. Effectivement, de la même manière que nous proposons des médecins généralistes de l'autre côté de l'écran, eh bien, parfois, nous pouvons utiliser cette cabine en médecine du travail, en connectant la cabine avec un médecin du travail et au quotidien, pour les infirmières présentes sur site, d'utiliser la cabine pour prendre toutes les constantes et réaliser les tests visuels et auditifs qui sont absolument tout intégrés dans la cabine. Merci Francine, vous aviez d'autres choses à rajouter sur la genèse de ces projets? Non, c'était tout. Ok, merci beaucoup. Je voulais juste avant de continuer et rentrer dans le vif du sujet concernant les retours d'expérience, vous apporter une petite précision. Effectivement, nous travaillons beaucoup avec des grands groupes qui disposent d'infirmerie de santé et travail. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, même importantes, notamment Bordeaux, Océane Bordeaux, hein, la filiale collective de la Matmut. Et bien, dans ce cas-là, nous trouvons d'autres services qui sont sur le site pour opérer la cabine, pour opérer le service. Ça peut être un concierge, une personne de l'accueil, ça peut être une personne extérieure qui est missionnée pour réaliser ces fameux protocoles d'hygiène et de désinfection. Enfin voilà, on va trouver des solutions pour que ces services soient opérés de manière optimale. Voilà, je tenais à vous apporter ces précisions. Alors, on va continuer, on va rentrer dans les chiffres, dans les statistiques. Je laisse de nouveau la parole à Claire pour nous commenter, pour nous faire des retours d'expérience et puis, bien entendu, voir si ce service répond aux attentes des salariés de la Matmut. Merci. Bon, bah là, du coup, c'est assez facile. C'est les statistiques parlent un petit peu d'elles-mêmes. Si j'avais d'aussi bons chiffres sur tous mes projets, je serais ravie. Non, bah voilà, vraiment, je crois que le premier chiffre, c'est le plus important. 98% des patients satisfaits par le service. On a eu une
une super adhésion en fait de nos salariés. Donc depuis le lancement à Rouen, comme vous le voyez, il y a 746 passages, donc avec plus de 80 par mois. Effectivement, au début, on n'a bien sûr pas eu 80 rendez-vous dès le premier mois, mais en tout cas, c'est monté très très rapidement et on est arrivé, alors bien sûr avant l'épisode Covid, mais en janvier et février de début d'année, on avait plus de 100 rendez-vous en fait par mois. Donc c'est vrai que pour nous, ça prouve et ça a démontrer le réel intérêt de nos salariés pour ce service et le réel besoin des salariés pour ce service en fait. C'est surtout ça, c'est de se dire que plutôt que de renoncer à se soigner ou plutôt que d'attendre, en fait là on leur offre cette possibilité justement de se soigner tout de suite et donc de prendre en fait leur pathologie en charge dès le début. Et donc ça a des conséquences qui sont extrêmement positives. Donc on a eu un très bon bouche à oreille vu que forcément les premiers retours ont été très bons. On a 99% des patients qui réutiliseront le service. Donc voilà, déjà toutes les personnes qui sont déjà passées une première fois dans la cabine ont forcément levé ce frein qu'on peut avoir, d'accéder à un nouveau mode de consultation. Donc déjà, ces gens-là, ce sont des gens qui ont balayé ce frein et qui vont aller en parler. Ils vont en parler pourquoi? Parce qu'ils savent que pour eux, c'est un moyen d'avoir accès à un médecin plus rapidement. Et c'est aussi des patients qui ont lever, comme je vous disais, le frein du relationnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Oui, mais moi, j'ai peur que ce ne soit pas comme ma consultation chez le médecin » ou « Ben moi, j'ai besoin d'avoir mon médecin qui est en face de moi pour qu'il puisse me parler. » Et en fait, quand ils ont testé la cabine, ils se sont rendus compte que c'était comme une consultation classique. Effectivement, on ne peut pas toucher son médecin, mais on le touche rarement, finalement, quand on est en consultation. Mais en tout cas, le relationnel est vraiment le même avec la visio juste en face. Le médecin réalise les mêmes... Les mêmes gestes que si on était en consultation, sauf que là, pour le coup, écoutez votre cœur, c'est vous qui allez prendre l'outil pour le faire. Mais par contre, le médecin, voilà, va avoir exactement les mêmes résultats. Il va pouvoir vérifier un grain de beauté si jamais il y a un doute, parce qu'il y a un outil qui permet de le faire. J'ai des gens qui ont une angine, ils m'ont dit, mais comment je vais faire? J'ai une angine, j'ai mal à la gorge. Eh bien, c'est pas grave, il y a un outil qui permet justement de positionner une caméra pour que le médecin puisse voir le fond de gorge. Ou pareil au niveau de la sphère ORL. Donc, c'est vrai que c'est un réel atout et c'est vraiment des conditions qui sont quasi similaires à une consultation en présentiel. Et le chiffre qui est intéressant aussi pour moi là, c'est que 53% de nos salariés auraient renoncé à soigner sans la cabine. Donc, des gens qui ne se soignent pas, qu'est-ce qui se passe? Avec un peu de chance, ça passe tout seul et tout va bien, mais dans la plupart des cas, ça va dégénérer. Et donc, si ça dégénère, qu'est-ce qui se passe? Ça fait des arrêts de travail, ça fait des salariés qui sont malades, ça fait des salariés qui sont malades sur site et qui peuvent également contaminer leur entourage parce qu'on est souvent dans des open space ou plusieurs dans un bureau. Donc, c'est vrai que l'intérêt réel, là, c'est de pouvoir prendre une pathologie à temps rapidement, de pouvoir se soigner rapidement, de pouvoir bénéficier d'une ordonnance après une consultation et ensuite de pouvoir se soigner le plus rapidement possible pour éviter une surinfection ou alors de contaminer l'entourage. Donc, pour nous, sincèrement, que ce soit, enfin, le retour d'expérience, il est excellent. À Rouen, on a vraiment eu un super accueil sur cette cabine. Les services RH, donc que ce soit les services de cohésion sociale ou d'accompagnement du changement, c'est pareil, ils nous ont beaucoup accompagnés pour la mise en place de la cabine et toute la communication qu'ils pouvaient avoir autour. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a vraiment un succès sur ce projet. Donc, on est ravis de la collaboration avec HKT. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces précisions. Je voulais à mon tour en apporter une. Bien entendu, les données que nous pouvons communiquer et que nous communiquons tous les mois à nos partenaires, ce sont des données, bien entendu, non médicales. Hein. On comprendra bien, ce sont des données en fait que nous récoltons en envoyant des questionnaires à chaque patient après la consultation. Ils y répondent à hauteur de 40%, donc on a des très bons taux de retour. Et ce qui nous permet en fait de faire des retours sur la partie vraiment satisfaction du service. D'accord ? Je répète, enfin, si je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, tout ce qui est données médicales, bien entendu, sont uniquement la propriété du patient et rien n'est stocké dans la cabine, rien n'est communiqué à nos partenaires et nous-mêmes n'avons pas connaissance de ces données médicales type IMC, tension ou que sais-je, qui sont prises dans cette cabine. Voilà, je voulais apporter cette précision.
Merci beaucoup, Claire. Alors, je passe à... Oui. Excusez-moi, Raphaël, je rajoute juste un dernier petit détail parce que ça va dans ce sens-là. Les personnes qui sont venues me voir, c'est bien sûr des gens qui sont venus me voir parce qu'ils savaient que je gérais le projet et donc c'est voilà, qui voulaient me faire un retour d'expérience directement. Parce qu'ils étaient très satisfaits. En aucun cas, voilà, je le reprécise, je n'ai accès à, je ne sais pas qui va consulter, pourquoi, pour quelles raisons. C'est vraiment des gens qui, après avoir été très satisfaits du service, sont venus me voir pour me dire, voilà, je voulais te dire, j'ai testé et c'est super. Voilà. Merci Claire. Parfait. Eh bien, nous allons passer maintenant exactement sur le même schéma. Je passe la parole à Francine. Merci. Comme Claire, nos chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, puisque 95% des patients qui ont utilisé ça donne que les chiffres de Season, sont prêts à réutiliser le service. Donc, c'est quand même une quasi-adhésion totale. 100% conviennent qu'ils ont eu accès aux soins le plus rapidement possible. Et pour l'avoir testé, je vous confirme qu'en effet, plus rapide que ça, c'est difficile de faire. Je l'ai quand même testé déjà deux fois. C'est pas testé. J'avais pris rendez-vous très rapidement sur deux urgences médicales et franchement, rien à dire. 95% des patients satisfaits, même chose. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et nous, pour nous, un chiffre qui est très parlant, c'est 50% des personnes, donc des 324 passages qui devaient prendre un rendez-vous, l'auraient pris sur leur temps de travail. Et donc, ça veut dire s'absenter une demi-journée, s'absenter, voire même quelquefois une journée entière. Et ça, c'est quelque part une grosse perte pour l'entreprise, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur. Tout à fait. Voilà ce que j'aurais à dire sur les chiffres. Et j'ai eu, comme Claire, des personnes qui savaient que j'avais mis en place ces cabines, dont un membre du COMEX, qui sont venus me voir à l'issue de la visite qu'ils avaient passée et qui m'ont dit « Mais Francine, c'était extraordinaire ». Voilà, regarde, en une demi-heure, j'ai eu mon rendez-vous, j'ai mon ordonnance, j'ai mon traitement et je commence mon traitement tout de suite. Voilà, plus positif que ça, je pense que c'est difficile de le faire. Ben, merci. Mais merci. Voilà, ça c'était un membre du COMEX qui savait que j'avais participé, je ne suis au courant de rien d'autre. Très bien. Donc, très bien. J'insiste sur le respect de la confidentialité des données qui est très important pour nous. Absolument. Merci Francine. Je voulais revenir également sur ces chiffres, notamment les deux en bas, les graphiques du bas, notamment les 50% qui auraient pris sur leur temps de travail pour consulter sans la cabine. Eh bien, ça concrètement, c'est ce qu'on appelle en fait, enfin, ce sont des salariés qui auraient pris leur demi-journée ou leur journée pour aller voir pendant leur temps de travail pour aller voir un médecin, pour retraverser l'île de France, en l'occurrence, en ce qui concerne Ciassi ou Rouen, en ce qui concerne la Matmut. Eh bien, ça, c'est de l'absentéisme. C'est une demi-journée, une journée fois deux par an, par salarié, puisque en moyenne, un salarié tombe 2,3 fois malade par an, hein, de pathologie aiguë. Et donc, c'est là où on a un premier impact, un premier retour sur investissement. C'est important. L'absentéisme pour une entreprise, c'est 1 200 euros par an et par salarié, pour vous donner une idée en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Le deuxième graphique, 83%, hein, dont Francine nous a parlé, eh bien, ce sont des salariés. Hein, je vais paraphraser un petit peu ce qu'a dit Claire et Francine. Mais renoncer à se soigner, c'est effectivement contaminer ses petits camarades, avoir le risque que son état de santé s'aggrave et donc des arrêts de travail plus longs, voire une hospitalisation dans les cas les plus graves, ça arrive. Mais c'est également tous ces salariés qui restent au travail, qui sont à leur poste de travail, qui sont moins efficaces parce qu'ils ne sont pas bien, parce qu'ils auraient dû consulter, parce qu'ils auraient dû commencer un traitement, et donc ils sont beaucoup moins productifs. Et ce sont sur ces deux grands sujets, hein, l'absentéisme à gauche et le présentéisme à droite, que nous allons calculer un ROI. Un ROI qui peut être, qui est assez facilement atteignable. On estime autour de 100 à 150 passages par an. Eh bien, on tombe sur un ROI positif en ce qui concerne ce type de dispositif. Je ne vais pas aller plus loin, hein. C'est juste pour vous donner un petit peu les idées. C'est au-delà de l'image d'employeur qui prend soin de ses salariés, d'une entreprise innovante, eh bien, il y a un retour sur investissement très important à ces niveaux-là. Francine, avant de continuer de passer à la visite virtuelle de la cabine, quels sont les projets à venir autour de cette cabine concernant Ciassi Saint-Honoré ?
Est-ce que vous avez. Non, là, vraiment, c'est le vrai démarrage des consultations effectuées par les infirmières. Ça va être la grande nouveauté qui avait démarré tout doucement en février, juste avant le confinement, et qu'elle commence à reprendre là depuis la rentrée. D'accord, très bien. En termes sachant de que ça démarre tout doucement, puisqu'on ne. CIACI n'a pas encore repris son activité sur site à 100%, loin de là, hein, on n'est encore qu'à 40% présentiel. Donc, l'activité va redémarrer tout doucement jusqu'à la fin de l'année, je pense. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que et, vous on, avez... et on espère y voir un peu plus clair début 2021. Non, très bien, c'est ce qu'on observe chez la plupart de nos partenaires, effectivement. Oui. Est-ce que vous avez commencé à échanger autour de programmes de prévention dont on n'a pas encore parlé à ce oui. stade? Alors, oui. là, ce n'est plus moi qui gère ce type de projet, puisque c'est géré RH, médecin du travail et vous-même. Donc, je sais oui. qu'il y a un projet qui va être lancé, je crois, début octobre. J'en ai pas tout le détail, puisque les RH m'en ont touché deux mots, mais je n'avais pas le temps d'en savoir un petit peu plus. Et D'accord. là, maintenant, la balle est un peu plus dans leur camp qu'elle ne l'a été jusqu'à présent chez moi, en tant que D'accord. chef de projet d'implantation. Très bien. Alors, en deux mots, je ne suis pas au courant, je n'ai pas suivi également ce sujet-là en direct avec CIACI, mais effectivement, nous proposons également des programmes de prévention sur des thématiques comme la nutrition, la reprise d'activité physique, etc. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'écran, nous n'avons pas un médecin généraliste, mais nous avons un nutritionniste, nous avons un psychologue, nous avons un médecin du sport, etc. Et ça s'intègre parfaitement dans des programmes de prévention qui permettent également de proposer aux salariés d'améliorer leurs conditions au quotidien, leurs conditions physiques, leur nutrition, etc., etc. C'est les choses aussi que nous déployons dans un deuxième temps auprès de nos partenaires. Merci beaucoup, Francine. Nous allons passer, si vous n'avez pas de choses à rajouter. C'est bon, merci. Ok, parfait. Oui. Eh bien, nous allons passer au slide suivant. Et c'est le virtual 3D tour de la cabine. Je vais le faire extrêmement rapidement pour vous laisser du temps, en fait, pour nous poser des questions et pour poser des questions à nos intervenants. Donc, vous voyez la cabine. Voilà la cabine. Tout le monde voit bien la cabine? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Donc, vous voyez la cabine, c'est oui. d'extérieur. Merci pour votre réponse. D'extérieur, voilà, c'est une cabine qui est très compacte, hein, qui fait un peu plus de 2 mètres carrés au sol, de 2 mètres 50 de haut, qui intègre absolument tout ce qu'il est nécessaire à un médecin à distance pour faire une téléconsultation. Donc, je prends rendez-vous, j'arrive avec ma carte vitale, je rentre dans la cabine, voilà comme ceci. Vous voyez, tout autour des parois se trouvent les différents capteurs et instruments, et ici, le siège est parfaitement, qui a été de manière ergonomique, étudié pour être dans une posture optimale, notamment pour la prise de tension. Vous voyez le tensiomètre sur la droite, légèrement à la droite de l'écran. Je vais m'asseoir et voilà ce que je vois en face de moi en tant que patient. Donc, j'ai ici l'écran. C'est l'écran sur lequel, vous voyez, va apparaître le médecin téléconsultant. Donc, il va pouvoir me faire un interrogatoire médical tout à fait classique, m'interroger sur mes symptômes, mes antécédents surtout. Et il va commencer à créer un dossier médical qui va être attaché à moi puisque je me serai ici authentifié avec ma carte vitale. D'accord ? Donc, le dossier médical est rattaché à mon numéro de carte vitale. Je n'ai pas besoin de rentrer mon nom à quelque endroit que ce soit de cette consultation. Ici, vous avez l'imprimante sur laquelle va sortir l'ordonnance après la consultation et également le bilan de santé, c'est-à-dire que il y a un autre mode d'utilisation pour faire très simple. Vous n'avez pas un médecin qui vient échanger avec vous, qui vient vous faire une téléconsultation, mais vous avez des vidéos qui vont défiler et vous allez pouvoir prendre vos constantes de manière complètement autonome. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bilan de santé qui sera imprimé également devant vous via cette imprimante. Ici, nous avons un glucomètre, un lecteur de glycémie, d'accord, pour connaître, vous connaissez le taux de sucre du sang. Ici, nous avons le stéthoscope, le fameux stéthoscope, pour que le médecin puisse écouter votre cœur et vos poumons. Excusez-moi, voilà, c'est mieux comme ça. L'otoscope ici, l'otoscope avec le petit spéculum au bout qui permet au médecin, et encore une fois, vous êtes acteur de votre consultation, c'est vous qui allez positionner en tant que patient l'instrument dans votre oreille. Vous allez voir votre tympan en face de vous. Vous en conviendrez, ce n'est pas souvent le cas. Eh bien,
C'est cet aspect vraiment d'être acteur de ma consultation qui me permet en fait de libérer ma parole et qui permet vraiment à un médecin de faire une consultation dans les conditions optimales, comme si c'était en présentiel, voire grâce à cette libération de la parole, parfois d'aller plus loin dans l'interrogatoire médical. Donc l'otoscope pour regarder vos tympans et également avec un abas-langue pour regarder votre gorge et vos amygdales. Ici, vous avez un dermatoscope pour les examens dermatologiques, que ce soit un grain de beauté qui vous inquiète, vous voulez montrer à un médecin, une petite plaie, de l'eczéma, de l'urticaire, enfin que sais-je. Le médecin, c'est une caméra de définition et le médecin va pouvoir voir de manière très précise quel est votre problème au niveau dermatologique. Ici, nous avons le saturomètre. Le médecin vous explique que vous le prenez comme une pince à linge et vous le positionnez sur votre index gauche, comme ceci. Il va pouvoir voir de facto, en lançant directement la mesure depuis son écran, son PC, votre fréquence cardiaque et votre taux d'oxygénation du sang. Ici, vous avez le thermomètre temporal. Et enfin, donc, pour avoir la température, toutes ces données, encore une fois, sont des données médicales et très précises. Quand le médecin vous demande de prendre votre température, vous la prenez devant lui. Il sait quelle température vous êtes. Il ne vous la demande pas a posteriori ou a fortiori. Ici, vous avez, ou a priori, pardon. Ici, vous avez le tensiomètre pour la tension. Vous avez noté, le tensiomètre est au niveau du cœur et le siège est incliné de façon optimale pour avoir une prise de tension optimale. C'est très important. Vous avez également ici, alors, je suis revenu, excusez-moi. Ici, l'électrocardiogramme, 12 dérivations pour un électrocardiogramme dans les conditions d'une hospitalière, en fait, tout simplement. 12 dérivations, c'est ce que vous trouvez dans les hôpitaux. Donc, le médecin est à même de vous détecter des problèmes cardiaques, des troubles cardiaques de manière extrêmement précise. On va rajouter ici, bien entendu, les pinces de l'électrocardiogramme pour les chevilles. Et enfin, ici, vous allez trouver, regardez, les tests auditifs et les tests visuels qui sont extrêmement utilisés, non pas en médecine de soins, vous en conviendrez, mais en médecine du travail. Vous avez ici également une balance électronique pour prendre le poids et au-dessus, au plafond, une toise à ultrasons qui permet de calculer de manière automatique votre taille et donc de faire le rapport et de sortir votre IMC. Voilà pour la visite virtuelle de cette cabine. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions et réponses. Je vous laisse peut-être quelques minutes. Vous avez des questions à poser. Vous pouvez les poser via le chat ou alors même prendre la parole directement pour nous poser les questions. Merci, merci d'avance. Est-ce que vous avez donc des questions? N'hésitez pas via le chat ou ouvrez votre micro. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous avez donné quelques informations sur les bénéfices. Je voudrais savoir quels sont les autres bénéfices, comment on peut évaluer en fait un tel dispositif qui est assez impressionnant, je l'avoue, mais concrètement, pas pour autant pour un collaborateur qu'une entreprise, comment on évalue les bénéfices de votre cabine? Merci pour cette question. Est-ce que Francine ou Claire, vous souhaitez répondre à cette question? Franchement, c'est assez difficile de mesurer le bénéfice en tant que tel. Je crois qu'il est plus en mesure de ce qu'on appelle la QVT aujourd'hui. C'est j'améliore les conditions de travail de mes collaborateurs, je leur facilite par la même occasion l'accès aux soins. Je leur évite la fatigue, les déplacements, etc. Mais ce n'est pas un bénéfice en tant que tel.
Je ne pense pas. Enfin, à mon avis, après Claire, je vous laisse peut-être vous aussi donner votre avis. Oui, ben, oui, effectivement, je vous rejoins un petit peu. Alors déjà, il y a les premiers chiffres qu'on a pu constater tout à l'heure avec c'est du déclaratif, bien entendu. Donc, c'est compliqué dans la mesure où on est sur des données confidentielles. De toute façon, on ne pourra jamais savoir si la personne était allée dans la cabine plus tôt, est-ce qu'elle n'aurait pas eu un arrêt de travail de 3 jours. Mais au moins, sur du déclaratif, on peut déjà se voir les personnes qui auraient renoncé à se soigner ou alors qui auraient pris sur leur temps de travail. Donc ça, à la limite, c'est le premier bénéfice qu'on peut voir pour l'entreprise. Après, effectivement, on est vraiment sur la qualité de vie au travail, on est sur de la satisfaction des salariés. Enfin, on le dit toujours, hein, des salariés qui ont envie de venir travailler ou qui se sentent en sécurité, nécessairement plus productif ou reconnaissant vis-à-vis de leur entreprise. Mais effectivement, en termes de on va avoir du mal à quantifier exactement le bénéfice que ça pourra nous apporter. Mais par contre, en termes d'organisation syndicale, c'est toujours des arguments qu'on peut avancer pendant les négociations et dans les accords. Ça a quand même toute son importance de pouvoir proposer de nouvelles façons de travailler ou de rassurer ses salariés. Et là, en l'occurrence, la cabine, ça permet vraiment de donner un accès aux soins supplémentaires pour les salariés. Ben, merci pour cette réponse. Moi, je rajouterais, si vous permettez, effectivement, c'est difficile de calculer précisément les bénéfices en termes de retour sur investissement. On appréhende assez facilement les bénéfices sur la QVT, sur l'accueil des salariés, sur le fait que l'employeur offre un service gratuitement à ses salariés pour leur permettre de se simplifier la vie et d'avoir un meilleur équilibre vie privée et vie pro. Mais il est quand même assez facile de comprendre que l'impact sur l'absentéisme mécanique, hein, la demi-journée, la journée, on en a parlé tout à l'heure d'absence, comme la réduction du présentéisme, c'est-à-dire je me soigne de manière plus précoce et donc je suis au global sur l'année, je vais avoir une meilleure présence, en tout cas être plus souvent en forme et en pleine santé devant mon bureau de travail, eh bien ça, nous on estime que c'est un vrai retour sur investissement, même si encore une fois c'est très difficile de le calculer de manière précise. Pour vous donner des idées, des chiffres grosse maille, on a des taux d'utilisation moyenne autour des 40% par an en mode téléconsultation. C'est-à-dire que sur un site de 500 salariés, vous allez avoir 200 téléconsultations par an, 40%. Eh bien, on estime, nous, qu'à partir de 100 téléconsultations à 150 téléconsultations par an, eh bien, nous tombons sur un retour sur investissement qui devient positif à ce niveau-là. Ça me permet de répondre à une question qui a été posée par Madame Fontenot, et je la remercie. À partir de combien de collaborateurs recommandez-vous l'installation de la cabine? Eh bien, ça me permet d'y répondre. Si on estime qu'autour de 100 téléconsultations, on va avoir un retour sur investissement et qu'on a un taux moyen d'utilisation de 40%, eh bien, on va être sur des sites à partir de 250-300 salariés. C'est à partir de ce nombre de salariés sur site que nous allons pouvoir recommander d'installer la cabine. En dessous, c'est plus compliqué d'avoir un ROI. Ça va dépendre vraiment de la politique QVT de l'entreprise. Ça peut par contre être mutualisé avec d'autres entreprises qui sont proches. C'est possible. On le fait notamment dans des tours ou dans des ensembles immobiliers qui sont certes assez homogènes, mais ça, c'est possible. OK, j'ai une nouvelle question. Merci de l'avoir posée. Est-il nécessaire d'avoir un infirmier, une infirmière sur site ou un secouriste, pardon, peut-il gérer la cabine? Eh bien, il n'est pas nécessaire d'avoir un infirmier ou une infirmière sur site. On peut tout à fait demander à une personne de l'accueil de gérer, d'être le référent, hein, c'est le terme consacré, le référent cabine, ou une personne effectivement du poste de secours, s'il est disponible, si ça peut être intégré dans ses tâches au quotidien. De toute façon, comprenons-nous bien, c'est vrai que sur la Matmut, on avait des taux d'utilisation qui étaient très, très, très importants, parce que le site est important. Sur un site de 1000 personnes, je reprends mes grands chiffres, 40% de taux d'utilisation la première année, ça fait 400 passages la première année, ça fait une moyenne de 2 passages par jour. Donc, c'est une personne qui va être amenée à intervenir sur la cabine 2 fois par jour en moyenne. Donc, c'est vraiment du temps masqué. Ce n'est pas une mission à temps plein, c'est du temps masqué. Donc, n'importe qui, même des services généraux, même parfois du service RH, de l'accueil, encore une fois, je me répète, peut réaliser ce
ce protocole d'hygiène et de désinfection en temps masqué, en plus de ses tâches au quotidien. J'ai une autre question, bien sûr. Quel est le coût de l'installation? Alors, effectivement, le modèle économique est archi simple. Il y a un coût d'installation qui est de 5 000 euros hors taxe. Ça comprend la logistique, l'installation, les tests, la formation du référent sur site. Ça, c'est le coût d'installation. Et l'abonnement, c'est un abonnement mensuel. C'est ce que nous proposons en entreprise. On peut également vendre cette cabine, mais en entreprise, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, vu que les entreprises marchent beaucoup en OPEX. Eh bien, il y a un abonnement mensuel pour le service complet qui est de 3 500 euros par mois. Pour le service complet, c'est-à-dire la maintenance, les plateaux de médecins, le service après-vente, la coordination médicale, les consommables, les visites sur site régulières, l'accompagnement, absolument tout, il n'y a pas de coût caché. Voilà pour ce qui est des coûts très simples du modèle économique que nous proposons en entreprise. J'ai également sur les bénéfices, une remarque également, effectivement, beaucoup de nos partenaires nous témoignent que le premier bénéfice qu'eux y voient, c'est l'amélioration de leur marque employeur. Voilà. C'est-à-dire que les taux d'utilisation sont très importants, bien entendu. On calcule des ROI régulièrement avec eux. Hein. On fait un point annuel sur ce qui s'est passé pendant l'année, les taux d'utilisation, les taux de satisfaction, etc. Mais ils regardent aussi beaucoup leur marque employeur. Le fait de pouvoir proposer des solutions à forte valeur ajoutée de manière gratuite à leurs salariés. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Écoutez, dans ce cas, je vous remercie tous. Merci principalement à Claire et à Francis, bien sûr, d'avoir participé à ce webinaire. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, Claire, Francine? Allez, je dirais merci pour votre partenariat. Ouais, voilà, bah pareil, j'allais dire la même chose. Merci beaucoup, en tout cas, vous nous avez vraiment accompagnés dans cette démarche. Et si je dirais juste un petit mot pour clôturer, ça, il faut vraiment avoir une adhésion de tous les services pour que réussir cette mise en place. Nous, on a vraiment été accompagnés par les services RH, par le médecin du travail, par nous, le pôle innovation. Ça a été une cohésion d'équipe qui a été soutenue par la direction générale. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a cette réussite-là. Donc, voilà. Encore une fois, merci à H4D. J'espère vraiment qu'on va pouvoir continuer à collaborer dans d'aussi bonnes conditions avec vous. Merci, Claire. Merci beaucoup, Francine. Merci à toutes les deux. Écoutez, en mot de conclusion, la santé ces dernières années est devenue un enjeu vraiment dans les entreprises, pas seulement à la demande de l'employeur pour des enjeux de productivité ou de réduction de l'absentéisme, mais également de la part des salariés qui ont en France, mais pas seulement en France, hein, nous déployons également à l'international, qui ont des enjeux de plus en plus, des écueils de plus en plus nombreux d'accès à un médecin généraliste. C'est pour ça qu'on voit des queues à rallonge qui se créent dans les services d'urgence. On voit des patients qui n'ont plus de médecin traitant aujourd'hui parce que les médecins traitants n'ont plus de disponibilité sur leur agenda. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes petit à petit déployés dans les entreprises pour permettre cet accès simple et rapide à un médecin aux salariés. Et puis, ce qu'on voit et ce qu'on a vu depuis mars avec ce confinement, avec ce contexte sanitaire très, très, très particulier qu'on espère temporaire, c'est que ce dispositif, ce service permet en fait de rassurer également les salariés, permet aux DRH de communiquer autour et de faire revenir les salariés sur leur site. Et aujourd'hui, ce sont des enjeux pour tous les DRH, pour tous les directeurs de l'environnement de travail, pour tous les directeurs des services généraux, c'est de faire revenir également leurs salariés sur le site. Et ce type de dispositif est une pierre, est une brique dans le mur pour rassurer, pour un petit peu rassénérer vraiment les salariés et les faire revenir sur le site.
Voilà, j'en terminerai là-dessus. Merci encore à tous et à toutes. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci à vous. Donc merci, on reverra à très bientôt. La présentation. Merci. Merci. Merci, Raphaël. On reverra la présentation. Au revoir.